nouvelle Nissan Pulsar, c'est la nouveauté de la rentrée chez Nissan et cette voiture, c'est le retour de Nissan sur le segment C, celui des berlines familiales traditionnelles. Alors, au-delà du design extérieur que vous avez pu voir tout à l'heure et qui est vraiment un design propre à Nissan, un design dynamique qui a été développé en Europe, on a un centre de design à Londres dans lequel on développe toutes nos voitures pour le marché européen. Cette voiture, elle a deux grandes caractéristiques. Si j'ai deux choses à retenir, c'est d'abord son espace intérieur. Vous voyez, moi, je mesure 1m90. J'irai m'asseoir à l'arrière tout à l'heure et vous verrez qu'avec mon réglage de l'avant, eh ben, je me cogne ni à l'avant ni à l'arrière. On a le plus grand habitacle de la catégorie. Ça, c'est possible parce que l'empattement mesure 2m70 de long. Donc, ça veut dire qu'on a sur la banquette arrière plus de place que dans les voitures de la catégorie supérieure. Et puis, on rogne pas pour autant sur le volume du coffre puisque le coffre mesure 385 litres. Ça veut dire que c'est un des 5 plus grands coffres de sa catégorie. Et quand on rabat les sièges, c'est 1,4 m3. Donc c'est le plus grand coffre, une fois les sièges rabattus, du segment C. Et puis la deuxième chose, après ce volume intérieur record, c'est la technologie qu'on a mis dans cette voiture. Alors, si je regarde en face de moi sur l'écran 5 pouces en couleur, il y a des aides à la conduite qui apparaissent. On a mis sur cette voiture un véritable bouclier de sécurité. Alors, à quoi ça sert? Très concrètement, si vous êtes occupé à regarder votre radio ou votre GPS et que ça freine devant vous, il y a un freinage autonome d'urgence qui va ralentir ou arrêter la voiture. Ça va également vous prévenir par un signal sonore que vous changez de fil sans faire exprès parce que vous avez un moment d'inattention. Et puis ça va aussi vous prévenir qu'il y a du monde dans vos angles morts. Et également, quand vous êtes en manœuvre, qu'il y a des objets en mouvement autour de vous. Vous êtes au supermarché, vous reculez de votre place, à ce moment-là, il y a un caddie qui arrive. Le système et les caméras de la Nissan Pulsar vont vous prévenir. Il va y avoir un signal sonore là aussi et sur l'écran ça va apparaître et ça va vous prévenir, voilà, un signal jaune comme ça pour vous dire attention, il y a des objets en mouvement autour de vous. Dernière technologie propre à la Nissan Pulsar et unique sur le segment, c'est ce système à 4 caméras. Donc il y a une caméra dans chacun des rétroviseurs extérieurs, une à l'avant et une à l'arrière. Ça donne une vue aérienne de la voiture et ça permet de se garer au millimètre. Vous voyez la haie qu'il y a devant nous, on la voit ici également. Et donc, si on s'en approche pour manœuvrer, on sait où s'arrêter pour ne pas frotter ses jambes, par exemple. Et si je passe la marche arrière, c'est la même chose, mais on a la caméra de recul. Et là, on voit parfaitement où sont les bornes qu'on commence à apercevoir ici également. Si je rappuie sur caméra, à ce moment-là, on voit, là, la portière est ouverte, mais on voit la jambe avant droite. Et donc, quand vous faites des manœuvres d'accostage le long du trottoir, par exemple, et ben, ça permet de pareiller les jambes de sa Nissan Pulsar. C'est le retour avec la Nissan Pulsar de Nissan sur segment C. Et ce retour, il se fait avec une voiture extrêmement grande pour sa catégorie, pleine de technologies, à la fois pour faciliter les manœuvres et aussi pour contribuer concrètement à la sécurité. Alors, il y a un instant, j'étais à l'avant, j'ai pas changé le réglage du siège avant. Et vous voyez que pour quelqu'un d'1m90 qui a réglé le siège avant, maintenant, je suis là et j'ai encore très largement de la place, comme si j'étais dans une voiture de catégorie supérieure. Ça permet par exemple, si vous partez en vacances avec des grands adolescents, de conduire sans qu'ils se cognent finalement dans votre dos à longueur de kilomètres. Et ça permet avec un réhausseur ou avec un cosy à l'arrière de pouvoir installer des enfants en plus bas âge sans avoir de problème pour les installer confortablement également. Cette Nissan Pulsar, elle regroupe toutes ces technologies, cet espace intérieur avec un design qui est vraiment spécifique à Nissan. Et puis elle existe avec une double offre de motorisation, une motorisation DCI 110 chevaux qui va représenter la majorité des ventes avec 94 g de CO2. Et puis une motorisation essence, c'est un moteur essence turbo 4 cylindres qui fait 115 chevaux et 190 Nm pour 117 g de CO2. Donc les deux offres sont dans des zones de CO2 neutres et avec des émissions particulièrement basses.